Bonjour à tous, et eh bien aujourd'hui je vous fais une petite démo de mon détecteur de passage facteur que j'ai réactivé suite à une solution qui m'est venue via un capteur que l'on voit ici. Pourquoi je ne l'avais pas monté chez moi? Ça fonctionnait bien, sauf que parfois eh bien il y avait un MOSFET qui claquait. J'ai deux MOSFET. Un qui est, on va dire, lié à la touche d'interrogation et un qui est lié à la détection du passage facteur. C'était avec celui du capteur d'interrogation que j'avais un souci. Oui, voilà, donc en fait c'était basé sur la résistivité du doigt et donc mon doigt venait toucher un MOSFET directement et parfois. C'était à peu près toujours les mêmes personnes. Il y avait mon MOSFET qui claquait. Donc je ne l'avais pas monté. Mais depuis là, j'ai trouvé ce capteur. Donc qui est un capteur. C'est le RPC18-3ST. C'est un capteur dont la résistivité varie en fonction, elle diminue. Avec la pression qu'on exerce sur ici la membrane. J'ai bien une membrane parce que en fait c'est isolé du doigt. Là, il y a une petite membrane qui empêche que le doigt touche directement le circuit. Et voilà, donc en appuyant ici, eh bien je viens débloquer le MOSFET numéro 2 qui lui vient réveiller mon Atini 85 et me dit si le facteur est passé. Là, le facteur n'est pas passé. Non. La tini se rendort. Alors maintenant, on va faire passer le facteur. Donc la boîte, la porte de la boîte aux lettres est, on va dire, simulée par ce bol. Voilà, j'ai ouvert la boîte aux lettres. F, le facteur est passé. Le système se rendort. Donc, soit j'étais à proximité et j'ai entendu, et bon, je sais qu'il y a du courrier, soit ben, je redescends de mon labo et je veux savoir si le facteur est passé. Donc, j'appuie. Yes, le facteur est passé. Donc, mais je me dis, oh ben, c'est le matin tôt, donc le facteur a dû déposer du courrier, c'est son heure. Je sais qu'aujourd'hui, je vais recevoir peut-être. Des PCB qui vont m'arriver de chez JLC PCB. Et donc j'attends encore un peu. Bon, une heure plus tard, je repasse. Appuie. Non, le facteur n'est pas repassé. Ok, je vais faire mon petit bricolage électronique où je vais jardiner, où je vais faire des cours. Je reviens. Entre-temps, avant de revenir, le facteur. Est passé, m'a livré un colis. Bon, je n'étais pas là. Donc, je reviens, je réinterroge. Oui, le facteur est passé. Voilà, donc, bientôt, je vous présenterai, je vous commenterai le schéma et le PCB. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Et puis je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.